Attends gros, le bruit donne pas envie de pisser à mort. Salut la team. Aujourd'hui c'est parti, on va faire une FAQ. Donc sur nous deux, pour tout savoir de nous deux. Voilà. Voilà, donc c'est parti. Tu es prêt? Ouais, je pars. Donc bien sûr j'ai sélectionné les meilleures. Ok. Les plus gênantes, les plus embrouillantes. Donc voilà, donc c'est parti. Ok, c'est parti, on commence tout de suite avec Cassandra Masseur qui nous demande comment vous êtes connus. Vas-y, je te laisse. On s'est connus à l'ancienne, on faisait du skate. Voilà, c'est ça. On s'est connus là-bas. Pour dire franchement, on était pas trop potes. pas du tout même. Il a failli avoir des embrouilles. Tête à tête. Bref, et après on a l'époque du skate est passée. Voilà, et puis c'est là que on galérait, on savait pas quoi faire, et puis après c'est là qu'est venue la muscu, et puis voilà. Ouais, voilà, cette amitié s'est créée. Question suivante. Ok, ensuite Laura qui nous dit: est-ce que Vlad me trouve mignonne? Alors, ça fais va. Attention parce que ça c'est l'ex d'un pote à nous. Donc voilà. Oui, t'es mignonne, mais par respect par mon pote Max, je peux pas aller plus loin, tu vois. Ok. On va se cacher, voilà. Désolé. En tout cas, t'es mignonne. Bon, ok. Là, il y a la question de Barbara, sa sœur. Voilà. Que DTS préfère chez l'autre? Que détestes-tu préfère chez l'autre? Ok. Vas-y, commence. Vas-y, je commence. Oh non, on commence par le pire. Détester, okay. Alors moi, ce que j'ai détesté le plus chez Vlad, c'est que il a un peu, il est un peu à l'ouest des fois. Donc par exemple, rien que pour pour la mise en scène, il a absolument pas réfléchi à comment on allait monter. C'est moi qui a dit tout monter, donc ça c'est le plus chiant. Mais bon, on va dire c'est pas un défaut méchant quoi. À toi, fais gaffe à ce que tu dis. Ce que je déteste le plus chez lui, c'est que vas-y. On peut s'embrouiller pour rien. Parce qu'il veut, il aime bien avoir raison quand même, il aime bien. Ouais, mais je suis pas portugais. Il aime pas avoir raison. Il est italien, c'est normal. Non, c'est ok. Voilà. Ensuite, question suivante. Enfin, du coup, maintenant, ce qu'on préfère. Alors, ce que je préfère chez toi, c'est que t'es à peu près comme moi, que genre on est grave déter et que même si demain, maintenant tout de suite, je te dis viens, on va sur Paris faire un truc, genre t'es chaud, tu vois. Alors que ça, les gens comme ça, c'est rare. À toi. Ce que je préfère, c'est à peu près similaire. On est déter, on lâche rien. C'est ça. Et voilà, on sera toujours déter jusqu'à là. Pour vous la team, êtes-vous en couple? Bientôt. Alors non, on est en ce moment actuellement tous les deux célibataires. Meilleur ami. On se situe plus en mode frère que meilleur ami. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres passions que la muscu en général? Oui, moi j'ai une passion. C'est pas une passion pareille que la muscu, mais j'aime bien le foot. Voilà. Ça va, j'aime bien. Après, on aime aussi tous les deux, on fait du basket. Comme vous avez dit, le skate, ça reste toujours quand même une passion. Voilà, c'était une passion à l'ancienne, on peut pas renier notre passion. On touche un peu à la gym en ce moment. On fait un peu de tout. En tout cas, tout ce qui est dans le sport, on aime bien. Voilà, c'est ça. N'importe quel sport. Ensuite, Mathilde qui nous dit: c'est qui les plus belles de Kaibot? Les plus belles. Non, tu sais quoi, on va rien dire pour pas, tu vois, pour pas faire d'énerver. Ça pique. Voilà. Donc, honnêtement, on répondra pas à cette question, on veut pas être méchant. Voilà. Ensuite, Mathilde, une autre Mathilde qui date du collège. Voilà. Qui nous dit plusieurs questions. Alors, t'as vraiment, elle a été cash. Vraiment. Quel est le pire défaut plus qualité de chacun? On l'a déjà dit. Vos vies amoureuses actuellement? Comme on a dit, célibataire. Voilà. Au moins c'est bien, on a vraiment le temps maintenant de consacrer tout à la chaîne. Voilà, c'est ça. Ensuite, on verra plus tard les filles. Qui a commencé le sport en premier et comment vous êtes rencontrés? Alors, comment on s'est rencontrés, on vous a dit au skatepark. Et ensuite. Le sport, on n'a pas vraiment. En gros, on va dire en sport en général, on a commencé en même temps, je pense, depuis tout petit, nous on fait du sport. On aime bien le sport. Voilà. La muscu, il a commencé un petit peu avant. Voilà, un petit peu avant lui, genre on va dire ça compte en à peine un an. Voilà, un truc comme ça. Voilà. Et ensuite. Qui a couché avec le plus de filles? Bon, on va pas dire le nombre exact, mais ça joue pas vraiment beaucoup entre nous deux. Vraiment. Mais on va dire c'est moi qui est au-dessus, mais ça joue vraiment pas beaucoup.
Voilà. Voilà. Bon, en même temps, peut-être qu'on va dire que je suis plus vieux, donc ça joue sur ça. Il te reste encore un an pour me rattraper. T'inquiète, je suis là. Alors, ensuite, Barbara qui nous redemande plein de questions. Pourquoi une chaîne YouTube? Pourquoi alors? Alors, pourquoi? Alors, au début, j'ai débuté tout seul, sans Vlad. J'ai commencé pourquoi? Je sais pas pourquoi. J'avais envie de faire ça, je m'ennuyais, je savais pas quoi faire, j'avais envie. Et puis, pourquoi on l'a repris à deux? C'était un jour, c'était quel jour? C'était le pré-workout. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sauf qu'à un moment, on a réagi, on s'est trop capté. C'est le salto arrière surtout qui nous a remotivés parce que. Ouais, voilà, c'est le salto arrière. Voilà, en fait. C'est là où je suis revenu en fait. On s'était un peu. Ouais, c'est ça. Nos routes se sont un peu séparées. Voilà, c'est ça. Et après, salto arrière, il m'a dit, vas-y, je mets salto arrière, tu veux revenir ou pas pour. Et en 20 minutes, j'ai mis salto arrière, même s'il est éteint, je ne crois pas. Voilà, c'est pas grave. Mais en tout cas, ouais, c'est ça qui nous a reboosté et maintenant, on ne la fera plus jamais. Voilà, c'est ça. Nous, tout ce qu'on veut, c'est vous faire rêver, vous donner des bons contenus et pour l'instant, c'est ce qu'on obtient. Et surtout, vous ne lâchez rien. C'est ça. C'est important. Question suivante. Et d'ailleurs, attends, on a oublié. D'ailleurs, merci pour les 1000 abonnés. Merci. Hier soir, ouais, franchement, super. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est pas beaucoup, mais pour nous, c'est déjà énorme. Ok, ensuite, vos projets à tous les deux, vos rêves. Tiens, vas-y, fais. Notre projet, nos rêves. Tu commences ou je commence? Vas-y, commence, t'as le téléphone. Je commence. Bah, mes projets, que la chaîne YouTube réussisse. Que je sois heureux dans ma vie. Que ma famille soit bien. Que tout le monde soit bien, qu'on parte en vacances, qu'on se fasse plaisir. Voilà. C'est tout ce que je rêve. Tout ce qui est mieux pour nous tous. Voilà. C'est bien. Et toi? Et moi, bah, mon rêve, c'est à peu près comme toi, que la chaîne YouTube déjà marche, ça c'est sûr, c'est logique. Et puis après avoir un travail qui me plaît, donc youtubeur, ça serait vraiment le rêve pour moi. Faire notre marque de vêtements, nos programmes en ligne. Voilà, par la suite être coach sportif que la formation que j'ai commencé en septembre. Et puis je pense que le rêve pour moi ça serait vraiment d'être heureux et puis ouais de rendre fier ma famille. Je pense que c'est pas mieux à dire. Voilà. Question suivante. Ok, une autre question aussi. Quelle est votre plus grande motivation dans la vie à chacun? Dans la vie, ma plus grande motivation YouTube. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'à un moment, c'est vraiment la chaîne YouTube. On peut-être pense vraiment qu'à suite, ça. Il y aura autre chose. Mais voilà, pour l'instant, on passe beaucoup de temps dans nos vies à la chaîne YouTube. C'est ça. Donc pour l'instant, franchement, notre seule motivation, c'est la chaîne YouTube. De vous motiver c'est ça. Et de influencer plus de personnes à faire du sport. Voilà, toi, tout ce que nous, vraiment, c'est, nous, on s'en fout pour l'instant. De toute façon, vous savez, on gagne 0$ par vidéo. On n'a même pas gagné encore un centime. Mais tout ce qu'on veut, c'est juste vous faire des bons contenus, vous motiver, vous aider et puis surtout vous conseiller. Voilà, voilà. Ensuite, Lucas qui nous dit quel est ton plus grand objectif? Donc, à nous deux, on va dire. Vas-y, je vais commencer. Mon plus grand objectif, je pense que ça serait. Alors, je vais te dire, professionnellement, ça serait du coup d'être youtubeur, vous le savez, et d'être coach sportif aussi. Et sinon, physiquement, donc, mon objectif, ça serait vraiment de prendre un peu plus de masse, mais surtout d'être sec, d'être vraiment bien sec et athlétique surtout. Mais sinon, bah, je me trouve pas très loin de mes objectifs physiques. Je vais prendre encore un peu de masse, mais je vais pas trop en prendre non plus. Et toi? Moi, mes objectifs, pareil. Un peu prendre un peu de masse encore, être athlétique, c'est sec. Ça. Et voilà. C'est ça. Et ensuite, qui nous demande. Qu'aimerais-tu faire dans le futur? Donc on l'a déjà dit, donc nous on va être youtubeur. Youtubeur. Voilà, c'est ça. Ensuite, et il nous dit aussi quand on fait notre vidéo sur le basket. Voilà, c'est un joueur sur le basket, je laisse aller le suivre sur Instagram. Et donc voilà, donc t'inquiète pas, la vidéo sur le basket, on la fera ensemble. On l'a fait. Ensuite, Maxence, une idée, depuis quand vous faites de la musculation? Donc Un an et demi. Toi ça fait, ouais ça doit faire, bah non parce que moi ça fait 3 ans là que je fais de la muscu. Donc toi ça doit faire deux ans. Moi ça fait 2 ans, lui ça fait 3 ans. Voilà, c'est ça. Okay. Ensuite Cassandra, donc ma soeur qui nous demande quelle est la première chose à laquelle vous pensez en vous levant? Moi personnellement la première chose que je fais c'est que je rafraîchis la page de YouTube pour voir le nombre d'abonnés et le nombre de vues. Personnellement c'est ce que je fais. Je pense que c'est pareil toi aussi. Ouais, je vais souvent voir, même quand je suis en cours, n'importe où, je me fais chier, workout. Ouais, de toute façon, même dans notre entourage, ils le voient bien. Ouais, à chaque fois, on rafraîchit, on est là comme ça. En fait, on a gagné un abonné, on est tout content. Faites pas genre les youtubeurs, vous aussi, vous faites ça. Ouais. Ensuite, alors, Astrid qui nous demande comment avoir des belles fesses bombées. Alors, on fera une vidéo à ce sujet-là, parce que c'est vrai qu'on fait pas beaucoup. C'est vrai qu'on fait pas beaucoup de vidéos sur les femmes. J'ai regardé, on a à peu près, en statistique, on a 3% de femmes qui regardent nos vidéos. Donc, c'est vraiment cool. On va améliorer ça, parce que ça va pas du tout. On va améliorer ça, ça va pas du tout. Donc, vous inquiétez pas, comment avoir des fesses bombées? Je vais faire cette vidéo, enfin, on va la faire ensemble. Je vais pas vous expliquer tout de suite, mais en gros, ça sera surtout le squat qui est important. Même si ça muscle un peu plus les cuisses, mais vraiment pour bien bomber les fesses, c'est bien. Donc, d'écarter un peu plus les jambes.
par rapport au bassin. Bref, ça, de toute façon, on le fera plus tard sur notre vidéo. Et elle nous demande une autre question aussi. Donc elle me demande pour moi, serais-tu prêt de te déplacer en vélo de chez toi à Deauville pour moi? Alors honnêtement, je le ferai juste parce que j'adore les défis. C'est tout. Thibaut. Attends, je coupe parce que là il y a un truc très important. Ouais. Putain, j'ai eu un flashback, c'est un truc de ouf. Thibaut, normalement, donc ce vendredi là, on va faire une soirée avec toi. Donc, j'espère qu'elle est toujours maintenue. Bref, ouais, vas-y. C'est vrai, ouais, détail. Vas-y. Bon, est-ce que je prends des compléments alimentaires? Si oui, pourquoi? Alors, vas-y, explique pourquoi t'en prends pas, même si c'est un peu affichant. Non, je rigole. Non, c'est calme. Je prenais des compléments alimentaires, j'en prenais. Ouais. J'ai arrêté, je vais en racheter. Et complémentaire, si oui, pourquoi? Pourquoi? Pour maintenir une masse musculaire. Voilà. Je répète, les protéines, c'est pas fait pour gonfler. C'est pas de la gonflette. Alors la protéine, c'est quoi? Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les compléments, allez la voir là-haut. J'en ai fait une exprès pour vous. Alors vraiment, en fait, c'est vraiment, c'est juste un complément. En fait, c'est juste pour accompagner votre alimentation de tous les jours, la viande et tout. Voilà. C'est juste que personnellement, la viande, ça coûte super cher. J'habite encore chez mes parents. C'est cher et je peux pas me permettre de bouffer tout le temps trop de viande, ça coûte super cher. Bon voilà. Et juste pour vous dire la team, en ce moment, moi je suis toujours sur protéines, mais en ce moment, ça fait actuellement 3 semaines que j'ai plus de protéines parce j'ai plus d'argent. Ouais. Et sans vous mentir, pour vous dire que vraiment la protéine ça sert à rien, enfin si vous pouvez manger à côté, là je me sens vraiment, c'est la première fois que je me sens autant bien physiquement par rapport à avant. Donc vous voyez que la protéine ça sert à rien, c'est juste que là je ferais qu'en ce moment je m'arrache beaucoup plus à l'entraînement parce que j'ai changé de salle. Et que Magic Form c'est fini et que Fitness Park que du sale. Voilà. Donc voilà, donc non, en ce moment, moi et Vlad, on ne prend pas de protéines. Question suivante. Pouvez-vous faire un double salto en même temps? Donc en fait, je vais demander en vrai la question parce que j'avais pas compris ce qu'elle m'avait dit. Salto. Ouais, aussi. Mais en fait, c'est salto et retape un salto. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas, coup, c'est pas deux saltos. On va te le faire en direct. Hein. Vas-y, on va te le faire maintenant, c'est parti. Ensuite, Fistai qui nous dit, donc mon voisin qui est là-bas, ça se trouve actuellement, tout nous entend. Dans quel pays aimerais-tu faire un vlog et pourquoi? Honnêtement, depuis que je regarde les vlogs de Body Time, honnêtement, Tahiti, ça m'a bien tenté la dernière fois que j'ai vu leur vlog de Tahiti. Tahiti, toi? Ouais, moi, Venice Beach. Ah, c'est vrai. Le street park, je le kiffe. Le vlog là-bas, franchement, il y a plein de trucs à découvrir là-bas. C'est vrai, j'en sais rien. Et franchement, dans tout le monde, j'aimerais faire des vlogs. Ouais. Dans tout le monde entier. C'est ça. De toute façon, même de vie que je pourrais faire, je le ferai. De toute façon, plus tard, ne vous inquiétez pas, on va beaucoup voyager. Ensuite, Lynn qui nous dit, donc merci d'être là depuis le début. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez avec Vlad? On a déjà répondu. Ah non, jamais répondu ça. Ça fait combien de temps? Ça fait au moins 5 ans. Ouh là là, je ne saurais pas vous dire, mais ça fait très longtemps. 5 ans, 6 ans. Bah attends, viens, réfléchis. J'ai eu mon bac pro. Non. J'ai commencé mon bac pro. Attends, mais je sais, mais j'ai commencé mon bac pro en 2014. A few moments later. Je sais pas, c'est d'affaire, voilà. D'accord. Je vous mettrai ici, parce que je vais calculer, mais je sais plus du tout. Ensuite, elle nous dit, et comment vous avez l'idée de faire la chaîne YouTube? Donc ça, on vous l'a dit, au début, c'est moi qui ai eu l'idée, puis après, j'ai voulu le faire venir avec moi, parce qu'honnêtement, nous deux, on est plus liés que tout seul, voilà. Ensuite, sinon continuez comme ça, je vous suis depuis le début, je vous envoie tout mon soutien, force à vous les gars. Merci. Ça fait vraiment plaisir. Ensuite, Giovanni qui nous pose 3 questions. Tous les deux, vous faites le programme d'Alex. Alors, je vous explique. Moi avant justement je suivais le training with me d'Alex, là je le payais tous les mois. Sauf que comme je l'ai dit, je ne travaille pas et du coup j'ai plus d'argent. Du coup je suis toujours ces programmes mais les anciens. Voilà, je les répète à chaque fois, j'en ai à peu près 5 et je les répète à chaque fois. Donc pour moi je suis quand même l'army PJ. Quand même l'army Alex. Combien de temps vous faites de la muscu? Donc on a déjà répondu, lui 2 ans, moi 3 ans. Est-ce que Vlad, ferais-tu des vidéos où tu seras seul? Oui, alors, bien sûr, Vlad fera des vidéos quand il sera seul. Alors, pourquoi? Les logiciels vidéo, les montages vidéo, il a pas d'ordi, du coup, il ne sait pas comment faire. Voilà, c'est compliqué. Dès que j'aurai du matériel, il n'y a pas de souci. Et puis surtout, c'est aussi une petite excuse, je trouve, de Vlad. Hein. Il pourrait venir me voir et si un jour tu viens me voir et tu montes, genre avant que tu as écrit une vidéo entière, moi je te filme, je te la montre, je fais tout ce que tu veux. Ouais, c'est vrai. Ouais. Après, il y a moi aussi qui pourrait. C'est ça, si tu veux, moi, tu travailles qu'en pourri, hein. C'est juste que. Voilà. Ouais, à suivre. Donc, Vlad vient de m'annoncer qu'il allait voir Goué ce soir au théâtre avec sa sœur. Avec ma sœurette. Pour profiter de la famille. Que du sale, les gars, faut faire que du sale, qu'aller voir des coups. J'ai foutu ma gueule, là. Alors, ensuite, Anaïs qui nous dit. C'est pas ton ex, ça? Anaïs qui nous dit, pourquoi une chaîne YouTube à deux?
Donc je vous l'ai dit, parce qu'au début j'avais commencé tout seul, solo. Sauf qu'à nous deux on est plus soudés, je préfère. Je suis moins à l'aise à la caméra tout seul. On est plus seul. Voilà. Je connais. Et comment vous êtes connus au skatepark? Et à quel projet pour la suite de la chaîne? Donc comme on vous a dit, que YouTube. Sale. Et que je sais que tant qu'il y aura du monde sur YouTube, vous allez nous suivre. Et que tant qu'on fait des projets, par exemple une marque de vêtements, je pense que vous allez aussi kiffer. Souvent, ce qui est bien avec une chaîne YouTube, c'est que quoi que vous faites après, une fois que vous avez une bonne communauté, souvent les personnes vous suivent. Donc voilà. Ça, c'est vraiment super sur YouTube. Ensuite, Sylvana qui nous dit, quelle a été la chose la plus folle que vous avez fait à deux? Je crois qu'on a pensé exactement la même chose. Ouais. On va pas le dire. On dira pas. Question suivante. Si vous ne restez qu'un seul jour à vivre, que feriez-vous? Si tu restais qu'un seul jour à vivre. Un seul jour. Moi, j'ai déjà mon idée en tête. De la famille au max. Non, moi, c'est ce que je fais. Alors, je me lève, mais genre, je sais pas, à 4 heures, je fais une grosse séance de muscu. Après, je fais une séance de muscu. En même temps, dans ma séance de muscu, je combine salle torrière, j'en fais plein. Après, je pense que bah du coup, je reste avec ma famille, tu vois, mes potes et tout, tu vois. Ma famille en même temps, tout lié. Et genre, je pense, barrer sur. Juste une même si c'est une journée, on se barrait, je sais pas, vers la mer, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Bon, vraiment, une dernière journée, ouais, c'est avec la famille, de toute façon, la dernière journée qu'il faut faire. Moi, je vois ça. Je vois pas, tu vois. Aller cambrioler ou quoi sur ça, je ne m'intéresserai pas, ça ne servira à rien de toute façon. Et puis surtout faire une dernière vidéo sur YouTube. Moi je passe à l'église. Ah c'est vrai, ouais, à l'église j'avais pas pensé. Parce que nous deux, ouais, si vous ne savez pas, vous n'avez pas posé la question. Mais nous deux, ouais, on est bien croyants, ça va quand même. Ça va. Voilà, foi. C'est ça. Où vous voyez-vous dans 10 ans? Dans 10 ans, marié, 3 enfants, avec. Ouais, bien sûr. Non, honnêtement, en parlant de la chaîne YouTube, dans 10 ans, je pense que. On sera bien. Je pense qu'on aura une bonne petite communauté, j'espère, pour l'instant. Si on travaille comme ça encore, ça va marcher, je pense. Normalement, il n'y a pas de souci. C'est pas qu'on est sûr de nous, c'est juste que si on se le dit pas nous-mêmes, on n'arrivera pas, ça marchera pas. J'ai jamais sûr de rien. Je suis sûr de moi. Voilà. Et sinon, bah. Je sais que j'habiterai pas. Je sais pas, peut-être pas la France, je sais pas. Mais honnêtement. Si j'habite en France, je voyagerai trop ouais. Souvent, j'aime pas rester. C'est ça. Si je peux, je voyagerai. Mais en tout cas, ce sera dans le sud, c'est sûr. Ouais. Voilà. Merci. Salut papy. Salut. Ça va? Ok, donc maintenant ce que je te propose, c'est que vu que la FAQ est terminée et que je pense que les gens ils veulent encore se régaler, on se pose 3 questions au hasard. Donc on n'a même pas le temps de réfléchir. 3 questions tout de suite au hasard. Et puis voilà. Parti gros. T'as oublié de répondre. Ok, je commence. Vas-y. C'est quand la dernière fois que t'as embrassé une fille? La dernière fois que j'ai embrassé une meuf. Deux jours, trois jours. Deux jours. Okay. Bon, du coup, à toi? À toi, à moi? Ouais. Qu'est-ce qu'il va poser, regarde? Vas-y. Ça. T'as fait quoi hier soir? Hier soir? Ok, donc, bah écoute, j'assume, hier soir, j'étais avec une pote, on a fêté les 1000 abonnés. Donc, merci entre à toi. Parenthèse, pote. Non mais c'est vrai, c'est le pote. Ouais, donc merci à toi d'être venu d'ailleurs, ça m'a fait très plaisir. Et puis on a fait quoi la soirée honnêtement? On a bu, super, donc super pour les articulations. Voilà. Chétane. En plus je vais m'entraîner après. Bravo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a bu, on a bien parlé, on a bien rigolé, on s'est bien amusé. Et puis voilà, puis la soirée s'est bien terminée vers, je sais plus quelle heure, vers 4h. Voilà. À moi. Vlad. Tu préfères quoi? Tu choisis entre les deux, t'es obligé de choisir. Te faire prendre par un mec, bien sûr. Tu veux quoi? Te faire prendre par un mec ou alors prendre un mec? C'est mieux. T'es obligé de répondre. Écoute, c'est quoi? Je sais que c'est compliqué pour toi. Je vais faire un décomptage de 3. À 3, tu vas le balancer comme ça et je te taille pas après, ok? 3, 2, 1. Prendre. Tu te rends compte que tu vois, tu vas te mettre comme ça? Quoi? Putain, non! Cette image là, ça a gravé à la vie dans ma tête. Ah, dégueulasse. À toi, mec. Est-ce que t'as peur des araignées? Moi? Est-ce que t'es une grosse clopette devant les araignées? Bon, j'assume, je suis archi une grosse pédale pour les araignées, je déteste ça. Quand je la vois, j'ai l'impression qu'elle est sur moi, je suis pas yum. Honnêtement, non, je sais pas, tous les insectes et tout, j'aime pas trop mon délire. Yeah. Voilà, et en plus, viens me dire tout à l'heure, hors caméra, que voilà, c'était une surprise, je voulais vous l'annoncer. Je comptais faire Koh-Lanta, participer à Koh-Lanta, sauf que l'émission, je sais pas si vous avez vu, elle a été annulée à cause d'un truc de viola, tout ça, non. Donc bref, c'est pas grave, du coup ça m'arrange, je vais pas avoir de grosses migales. Voilà. Donc, il est content. Question suivante. Ok, à moi, on va terminer par la dernière question. Une bonne question qui risque de te faire chier. Écoute bien, pour toi, quelle a été la best? Je parle de fille, tu vois.
La baisse des ouais, la baisse, genre je te parle pas d'un point de vue sexe ou physique ou quoi, je te parle avec celle que tu t'as attendu le plus, tu vois. Vraiment. Ok, donc là, on a coupé. Je vais pas vous montrer, parce que là, il a fait n'importe quoi. Il m'a cité une fille avec qui il est resté 3 jours et qu'il y avait aucune complicité, c'était juste parce qu'elle était belle, c'est vrai. Mais voilà. Ouais, c'est vrai. Donc, allez. La vraiment baisse. Ouais. En mode, tu en es bien avec elle, tu rigolais, tu sentais toi-même, tu vois. Tu jouais pas un rôle. Anaïs. Ok. Anaïs, c'est du coup c'est sa dernière copine qu'il a eu. Voilà. À toi. À moi. Qu'est-ce que tu vas me poser encore? Fin des fins. La dernière. Je te retourne la question. Ah, j'en étais sûr. Je priais pour pas qu'il me demande ça. Bon, moi, je pense que ceux qui me connaissent bien, vous savez que j'étais en couple il y a à peine 3 semaines. Ça faisait un an. Et bah ouais, je pense que c'était elle, parce qu'on avait vraiment une bonne complicité. On s'entendait bien. Puis elle était plus vieille que moi. Que j'aime pas sortir avec les filles de mon âge, ou de mon âge, elles sont pas matures, voilà. Bref, je pense que c'était ma meilleure relation. Après, c'est vrai qu'on s'entendait plus trop bien vers la fin, on était plus sur le même point, tu vois. C'est ça, voilà. Et alors que là, j'ai rencontré d'autres filles en ce moment, donc c'est vraiment juste simplement des amis, mais j'entends super bien avec elles parce que vraiment, on est vraiment reliés, on a la même vision du monde, et ça, c'est vraiment important pour moi. Ouais. Au-dessus de le physique, vraiment, au-dessus, vraiment. Donc voilà. Les FAQ est fini. Ok, donc la FAQ est finie. Si vous voulez la numéro. la numéro 2, il suffit de mettre, allez, 100 likes. 100 likes bleus. Et on fera beaucoup plus de trash, beaucoup plus de questions chiantes, vraiment des questions de bâtard. On fera intervenir beaucoup plus d'ex, beaucoup plus de trucs. Vous pourrez poser tout ce que vous voulez. Vraiment, on fera plus de trucs, genre par exemple, tu préfères prendre ou te faire prendre, des trucs comme ça, vraiment, à s'afficher. J'espère que vous avez bien aimé. Ouais. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous.